Wesh les potos, j'organise un Master Kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300 euros, ce qui équivaut à plus ou moins 40 000 V-Bucks les potos. Pour y participer, il faudra être là soit l'après-midi à 17h ou soit le soir à 22h. Toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications. Pour ne louper aucune de mes vidéos, faudra liker mes vidéos, faudra commenter. Et surtout, le plus important, les potos, faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le Master Kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur Fortnite Battle Royale à propos des défis du pass de combat de la semaine 1 de la saison 4. Alors faut savoir que dans ce tuto je vais vous présenter un tuto pour tous les défis les potos. Oui parce qu'en fait c'est un peu comme si on était en examen et qu'on devait faire des défis sans tricher. Mais là on va dire que j'ai un copion, donc une façon de tricher pour faire ces défis. Donc voilà tout simplement, alors tous les défis de la semaine 1 ils sont réunis. Donc là je vais vous mettre tout simplement la photo. Donc voilà, dans cette image, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir la map de Fortnite avec élimination. Donc en haut à gauche, il est marqué élimination opponent. Ça veut dire qu'il faut faire 3 éliminations à Flush Factory. Il est marqué, c'est un défi hard. Ensuite, à droite, c'est collecte, donc collecter le trésor qui est à Loot Lake. Donc il y en a une. Alors après, il y a ouvrir 7 coffres à Until Ends. Donc voilà, hein, il y a le coffre qui se trouve à Until Hits, donc sur la map pour vous montrer. Pareil pour l'étoile à collecter près du Loot Lake, il y a carrément un petit zoom et tout qui montre à côté de la météorite. Alors, les petits losanges avec une petite barre en bas pour montrer l'endroit, eh ben, c'est tout simplement toutes les lettres de Fortnite, donc vous pouvez tout simplement les récupérer à n'importe quel endroit, dans n'importe quel ordre que vous voulez. Donc voilà, ça c'était pour les défis du dessus. Donc maintenant on va passer au défi d'en bas, qui est tout simplement d'utiliser au moins une fois un fort, d'éliminer des ennemis au pistolet 3 et de faire des dommages au sniper de 500 dommages. Donc voilà, vous tirez genre 3 balles dans la tête, c'est bon. Ou vous touchez 3 fois un ennemi avec un sniper à verrou, ça fait 100, 100, 100. Peut-être 5 fois il faudra toucher, mais vous aurez fini votre défi. Donc voilà, c'est une petite carte que vous pouvez enregistrer sur votre téléphone. Comme ça, ben, vous avez tout le temps tout ce qu'il faut faire sur une seule image. Donc je trouve que c'est assez pratique. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais présenter. J'espère que cette vidéo ben, vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace. Yummy, bruh.